bonjour à tous, bonsoir, rebonsoir, pour ceux qui ne savent jamais tout à l'heure. Donc je suis Alexandre Baradez, je m'occupe de la stratégie de marché chez IG, donc un broker mondial avec des bureaux de partout dans le monde. Broker qui donne accès à tous les marchés, hein, vous savez, indices, devises, matières premières, obligations. Voilà, on a une offre qui est très complète. Moi, en partie, c'est l'analyse marché, donc c'est pas la partie commerciale évidemment. Je fais l'analyse donc à la fois technique, à la fois macro, et j'aime bien combiner les deux analyses justement, pas seulement le technique, pas seulement le macro, pour essayer de déceler les phases où on a le potentiel de gain le plus élevé. En ce moment, pour un cas concret, on a des choses au niveau mondial qui sont au niveau européen, qui sont très divergentes. Vous avez, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on va montrer ici. Alors je ne sais pas au niveau de l'ordre comment ça va se passer, mais si on peut-être montrer déjà un indice, voilà, du DAX, je peux avoir le DAX juste après. Voilà, le CAC Total Return et le DAX, voilà. Je vous montre un indice du DAX, donc vous ne voyez pas forcément, je vais me lever, je vais mettre là-bas, c'est peut-être plus simple. En fait, vous avez aujourd'hui, je parle de divergence. Aujourd'hui, si on regarde un indice comme ça, on se dit, ben, le DAX finalement, oui, il part de tout en bas, donc les années, plus d'internet ici, la crise des subprimes qui arrive ensuite ici, la crise de la dette en zone euro ici, énorme rallye, le premier QE de la BCE que vous avez ici, donc le lancement du premier programme d'achat d'actifs dont c'était annoncé en 2014 et lancé en 2015, énorme rallye, phase de stress sur les émergents, la Chine qui apparaît ici, et puis un rallye qui repart derrière dans ce qui est une des meilleures phases pour l'économie mondiale avec des banques centrales très accommodantes, la Fed qui avait très peu relevé ses taux, qui avait seulement commencé à faire peu de relèvement, et le marché qui part. Le DAX qui est un sommet ici, où à l'époque vous aviez en Allemagne des PMI, dans manufacturier, donc qui mesure la dynamique du secteur manufacturier, à l'époque on était à 60 sur le PMI, donc largement au-dessus de 50, grosse phase expansionniste. Vous avez un PMI service également, très au-dessus de ses moyennes, et vous avez une croissance en Allemagne qui était très bon, et des excédents commerciaux records. L'Allemagne n'a jamais eu une balance excédentaire aussi bonne qu'en 2018. Et puis tout se dégrade, vous voyez 25% de correction. Donc on se dit, ben ça y est, c'est la fin d'un cycle. L'Allemagne commence à ralentir, la balance commerciale qui commence à bouger, les exportations qui ralentissaient un petit peu. On se disait, la correction est justifiée, tension commerciale au niveau mondial, etc. L'Allemagne est pleinement exposée à la Chine, aux États-Unis et au ralentissement européen. Donc 25% de correction, on rentre en bear market, on dépasse 20% de correction. Donc on se dit, bon, 25% c'est beaucoup, ça peut un peu rebondir, mais ensuite, dans un cycle de ralentissement économique qui a duré plus de 10 ans, il est normal qu'à un moment donné, le marché ne remonte pas vers les sommets. Et là est apparu quelque chose qui, selon moi, a créé une distorsion forte par rapport à l'économie. C'est que la Fed, ici, a retourné sa veste, début janvier. Le président américain a adouci le ton avec la Chine, ici également, à plusieurs reprises. Et puis, ça a lancé le marché sur un rallye qui, selon moi, a dépassé largement ses capacités par rapport à la réalité économique allemande et mondiale. Donc, voilà, le but de l'analyse, selon moi, c'est de dire à quel moment on estime qu'une phase exagérée, qu'il faut donc jouer la correction, à quel moment on estime au contraire qu'on peut revenir sur le sommet parce que les paramètres sont bons. Et moi, je pense que là, on a typiquement le cas d'une phase donc, très expansionniste et on assiste à des phases qui sont assez classiques en ralentissement. Premier sommet important, deuxième très important et un troisième moins important, type épaule-tête-épaule, par exemple, vous voyez, ou même sommet ou ralentissement en trois sommets. Donc, ça implique que l'on recherche dans les semaines et les mois qui viennent, plutôt des phases de retracement vers des grosses obliques oui, tendancielles comme celle-ci. On est passé un petit peu dessus, on va la casser pour chercher la deuxième oblique qui passe par ces deux points-là. Et je pense que de manière ultime, on viendra chercher celle-ci, 2014-2016, qui passe actuellement sous les 10 000. Donc je pense que le DAX est dans une phase plutôt de ralentissement, dans une phase haussière, pour ensuite rechercher à nouveau cette zone des 10 000 points. Donc vous voyez, il y a un aspect technique qu'on regarde, des gros niveaux techniques, des FIBO et autres, mais il y a un aspect macroéconomique qui me semble primordial en ce moment, où au moment où on se parle, l'Allemagne est peut-être déjà entrée en récession. C'est l'avis de l'Institut IFO en Allemagne. Même si le ministre des Finances et le ministre de l'Économie disent que ce n'est pas un ralentissement suffisamment prononcé, pas de risque de récession, il y a quand même le sentiment que les données économiques avancées, hein, le fameux indice ZIU, hein, sentiment économique, l'IFO, hein, le climat des affaires, paye manufacturier, le PMI qui est encore à 43 et quelques, hein, sous 50 on est contracté, donc à 43 c'est très contracté. Voilà, tout ceci ne correspond pas à cette phase de rallye qu'on a là. Voilà, donc je pense que ça c'est un excès, et que donc tout ce qui ressemble à une phase de faiblesse du DAX doit être joué, sous les 12 000 par exemple, je pense que c'est bien de commencer à nouveau alléger pour ceux qui avaient éventuellement acheté, et plutôt de vendre pour chercher des retours très clairs à horizon quelques mois, dans la zone des 10 000 voire 9 000 et quelques. Donc je pense qu'on a un potentiel de correction du DAX de 20-25% dans les trimestres qui arrivent. Eh ben, c'est très tranché, tu as une vraie conviction Alexandre, donc déjà c'est courageux parce que le travail d'un analyste c'est aussi de donner sa conviction, et là c'est vraiment le cas. Je trouve même ça
disons que là, tu as vraiment de la conviction forte, alors que pour l'instant, il n'y a pas de signal. Non, mais c'est vrai que la durée du rallye est importante quand même. Ça, quoi. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, on est à moins de 10% du sommet historique du DAX, donc qui est un indice, on rappelle Total Return, hein, qui est dividende inclus. Si on met le CAC Total Return, il ressemble au DAX. Hein, il n'est pas du tout, c'est pas le CAC qu'on voit actuellement. Ça, c'est le CAC hors dividende. Le CAC Total Return, voilà, vous l'avez ici, je vous l'ai mis. Regardez, ça, c'est le CAC qui inclut dividende. Donc, oui, on est passé largement au-dessus des sommets de la crise des subprimes à gauche. On est passé largement dessus. Donc, vous voyez, on a le même raisonnement pour le CAC, en fait. Le CAC qui, hors dividende, est sur des plus hauts là, depuis 12 ans. Sur la partie dividende inclus, il est déjà largement au-dessus de ces niveaux-là. Donc, pourquoi effectivement c'est affirmé ? Parce qu'on est à moins de 10% du sommet du DAX, mais ce sommet, on vient de le dire, quand on était sur le sommet, le PMI manufacturier, donc le moteur de l'Allemagne, était à 60. Aujourd'hui, ce PMI est à 43,50. Qu'est-ce qui justifie qu'on soit à moins de 10% d'un sommet et à plus de 150% plus haut que le poids de la crise de la dette en euros ? Aujourd'hui, l'Allemagne, qui est quasiment en récession, le DAX est très sensible à l'économie domestique. Il y a une partie internationale sur les exportations Chine, États-Unis, mais il y a aussi une grosse partie domestique avec la chimie, avec les industries également, et beaucoup de valeurs cotées sont sensibles à l'économie domestique. Donc avoir une économie en quasi-récession ne justifie pas qu'on ait 20% de rebond sur le DAX depuis le début de l'année. Ça me semble être une vraie exagération de marché. Ok, très bien, c'est intéressant. Alors, on va donner la parole à notre prochain intervenant, ce sera Benoît Fernandez-Rioux, qui représente Lynx. Benoît, je te laisse la parole et je vais faire le switch des PC. Donc, Benoît Fernandez-Rioux, bonjour à toutes et à tous. Je suis consultant pour des banques, auteur de deux livres, Introduction au Forex, que certains connaissent certainement, et Le Trader Privé, un autre ouvrage qui est plus tourné trading. Je donne aussi des formations chez WorldData, World Trade Institute. Et aujourd'hui, je représente Lynx, le broker, en fait, qui arrive sur le marché français, mais qui existe depuis un certain temps et qui est régulé. Enfin, c'est un broker mondial et qui est régulé sur la place d'Amsterdam, une place sérieuse. Donc, moi, pour compléter un petit peu ce que Alexandre vous a présenté, je rajouterai un chapitre supplémentaire et je vais même répondre à sa question. Je suis en phase avec tout ce que tu as dit, sauf que il manque la réponse à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une décorrélation, effectivement, entre des fondamentaux qui ont l'air plutôt pas terribles, effectivement, en Allemagne, et un DAX qui, somme toute, est en train de titiller les sommets. Je pense que peut-être certains ont déjà quelque chose en tête. Vous avez une idée ? Bon, c'est simple, en fait. C'est encore ce qui s'est passé hier. On est dans un monde, effectivement, où on doit sortir des raisonnements académiques classiques. Aujourd'hui, tout est changé par rapport à la théorie classique. On a des banques centrales qui sont à la manœuvre, et qui le sont de manière contrainte pour l'Europe, notamment, on l'a bien vu hier, avec cette relance du quantitative easing à hauteur de quand même 20 milliards par mois, ce qui n'est pas rien, ce qui est en dessous des attentes, mais c'est déjà énorme, et qui prouve que la situation, effectivement, est assez préoccupante de ce côté-ci de l'Atlantique. Et ça met finalement par terre tous les raisonnements, j'ai envie de dire, un peu trop cartésien. Et c'est pour ça que le DAX est en train de monter, tout comme les autres indices européens, et notamment le CAC est en train de monter, drivé par ce qui est en train de monter du côté outre-Atlantique, c'est-à-dire le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq. Donc en fait, ce sont les États-Unis qui tirent le monde, c'est la locomotive du monde. Et derrière, on a également la Fed, qui, c'est pricé évidemment un petit peu dans les cours, mais le marché attend toujours quand même la confirmation, donc on verra ça mercredi prochain pour une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la Fed suite effectivement aux demandes répétées de Trump et de son administration. Donc on a d'un côté une BCE qui baisse le loyer de l'argent à des niveaux incroyablement bas, voire même négatifs, et de l'autre côté la Fed qui va vers un chemin similaire, mais la Fed, ce n'est pas sous la contrainte économique, puisque aux États-Unis, tout va bien.
malgré tout ce qu'on a pu dire sur Trump, son administration, etc. C'est vrai qu'Obama avait commencé le job hein, de recovery après la fameuse crise des subprimes, mais Trump a continué et a fait monter notamment le Dow Jones à des niveaux assez inédits. On a titillé les 30 000. Moi, je pense, parce qu'on est là pour parler de 2019 et même de plus loin, peut-être 2020, moi, je pense que, pour faire le lien avec tout ce que l'on est en train de dire, que l'administration américaine, Trump, pour sa réélection, n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un dérèglement de la situation actuelle. Donc, en fait, effectivement, on est un petit peu dans la problématique de Tradeware, on est dans tout ça, mais vous avez vu, il y a une pause qui est en train de se mettre en place, et c'est pas anodin. Sans dire qu'effectivement, tout ira bien, puisqu'il y aura des rebondissements, et je pense que la Tradeware, on en a encore pour au moins une décennie, si ce n'est plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour 2020, on devrait avoir une année plutôt tranquille sur les marchés, voire même une année record de nouveau. Et moi, je vois très bien un Dow Jones titiller les 30 000, voire même le dépasser. Ce serait une formidable victoire en guise de campagne électorale. Alors derrière, un Dow Jones à 30 000, évidemment, ça veut dire un S&P à du 3002, 3003. Ça veut dire aussi un CAC qui va enfin aller au-dessus des 6 000. Donc, et puis un DAX qui va continuer logiquement à monter, même s'il aura un peu plus de difficultés. Parce que Alexandre a donc énoncé, c'est-à-dire une récession qui va être très certainement actée bientôt, officiellement, une récession pour l'instant technique, parce que l'Allemagne a quand même d'énormes excédents budgétaires, mais derrière, effectivement, l'économie est en train de ralentir. Bon, je crois que je dois laisser la parole. Mais voilà pour faire le lien et pour vous expliquer un petit peu ma conviction pour la fin d'année, évidemment, et puis au-delà. Donc, et je conclurai par ça. Je ne vais pas vous dire quand est-ce qu'aura lieu la prochaine crise, mais ce que je peux vous dire, c'est quand est-ce qu'elle n'aura pas lieu. Et elle n'aura pas lieu jusqu'aux prochaines élections américaines. Donc ça nous amène à un an devant nous. Vous avez un an de tranquillité, un an de tranquillité notamment pour tous vos projets. Voilà, achat immobilier, etc. Ouais, pour le coup, c'est du débat, puisqu'on a deux professionnels et deux points de vue extrêmement différent, on va dire opposé. Pourtant, un constat de la situation de base qui est le même, mais donc des vues vraiment divergentes, c'est intéressant. C'est ça aussi l'intérêt des débats. On va enchaîner avec l'analyste qui représente XM. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de le découvrir ce matin, donc qui est instructeur en analyse technique. Bonsoir Nizar et bien. Opportunités et stratégies pour fin 2019 et 2020, quelles sont vos vues et vos convictions ? Alors bonsoir à tous. Ouais. Sur celui-là, oui. Alors bonsoir à tous. Nizar, j'ai 37 ans. Je suis donc instructeur en analyse technique chez Tradepedia. Tradepedia est un centre d'analyse technique basé à Dubaï et je suis responsable donc de toute la région francophone. En même temps, je suis chef de salle de change dans une banque. Donc l'intervention, moi je vais intervenir plutôt sur le marché de change. Alors je vais partir des constats donc de mes collègues, mais plutôt j'ai un constat assez pessimiste. Alors je vais aller... Je vais aller juste là. Alors... La guerre entre les deux plus grandes puissances économiques internationales, la Chine et les États-Unis d'Amérique, vont se prolonger encore plus, à mon avis. En fait, les deux, ils doivent se mettre d'accord sur des nouvelles bases de réengagement. Et vu donc la méfiance donc de ces deux donc économies, je vois que les marchés vont continuer à plonger encore plus et plus. Et cette guerre donc commerciale entre Chinois et Américains donc a eu des conséquences et a eu des réactions, surtout des banques centrales.
Donc la BCE, par exemple, hier a commencé à baisser ses taux. En fait, la Banque centrale, elle doit empêcher impérativement l'euro de monter. Elle va donc faire baisser les taux d'intérêt. Mario Draghi, il a commencé donc cet assouplissement monétaire avec réduction des taux d'intérêt. Et là, je pense que l'euro, les perspectives donc pour l'euro, c'est on est sur un bearish trend, on est sur une tendance baissière et qui va aller jusqu'au. On prévoit donc des targets de 1,0917, on l'a déjà touché. Et on prévoit un autre target sur 1,06. Là, on est entré sur le marché sur le 18 août, à peu près, sur le... Alors, juste pour mettre ce tableau-là, si vous pouvez en mettre le tableau. Alors, voilà notre entrée, donc c'était sur 1,1159 et on pense qu'on va toucher, bon le target 3 c'est un peu trop, mais le target 2, on pense qu'on va aller sur le 1,06 pour l'eurodoll. La deuxième intervention, ça sera pour le cable, le Brexit. Pour le Brexit, alors je rappelle que le Brexit était prévu pour le 29 mars 2019, et il a été prorogé deux fois de plus. Et je pense que là, les trois scénarios sont possibles, soit une sortie sans accord, soit une annulation du Brexit carrément, soit une sortie ou un troisième report, malgré que je viens de voir que le ministère des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, il a dit la dernière fois, il a dit cette fois-ci, pas de report, plus question d'un report. Il faut que les Britanniques nous disent ce qu'ils veulent exactement. Là, ça va être un peu plus dur. Et donc, les tensions vont, pour le sterling, va continuer donc, sur la baisse, je crois. Et là, on a une entrée. Excusez-moi à chaque fois pour le tableau. Là, on pense qu'il y a une opportunité d'entrée sur le cable sur 1,1986 et pour des targets à 1,05, je crois que ça va continuer sa baisse. C'est vrai que pour le GPP, on a l'impression de travailler sur un marché émergent. Il est très volatile. On a une incertitude politique, plus la volatilité, c'est très difficile de prévoir. Mais techniquement parlant, on croit qu'il va continuer sa baisse et qu'il va aller encore plus loin dans sa baisse. Et on présente carrément les targets. Ouais. Ça paraît irréaliste. Quoi? Par exemple, 0,4, c'est quelque chose qui me semble probable. Ah, le target 3, on l'élimine, oui. Le target 3 déjà, on l'a éliminé à Tradepedia, même pour l'eurodoll, hein, on l'a complètement éliminé. Plutôt, là, c'est target 1 et target 2 pour les plus pessimistes. Les scénarios plus pessimistes, c'est target 2. Mais je pense qu'à target 1, on commence à prendre nos gains. Ça, c'est, il faudrait le noter et puis on se verra 6 mois après. Hein. Et comme on l'a fait pour l'eurodoll. L'eurodoll, on l'a mis la position au dernier séminaire, c'était le 5 avril. Et j'ai mis la même, le même schéma avec la même entrée et la même sortie. Voilà. Et je termine donc avec l'or. Je pense que là pour le gold, on n'a pas une entrée, mais je pense que la tendance elle va continuer la hausse. Là, les participants au marché, donc je pense que vu de toute cette incertitude géopolitique liée au Brexit et à tout ce qui se passe dans le monde, je pense qu'ils vont se retourner vers une police d'assurance qui est à mon avis le gold, et que le gold donc vit un grand moment et ça va continuer pendant les prochaines semaines. Donc là, on n'a pas une entrée, on n'a pas vraiment une entrée, mais je pense qu'on va avoir une entrée très très prochainement. Ok, très bien. Donc, pour clôturer ce premier tour de parole, je vais laisser la parole à Antoine Fraissoulier qui va s'exprimer pour eToro et on va regarder le CAC 40. Alors, bonjour à tous. Je suis analyste financier pour eToro. eToro qui est une société qui existe depuis 2007, qui propose, comme les brokers traditionnels, d'investir sur les actions, matières premières, devises,
et également les indices, bien sûr. Moi, j'ai été dans la gestion d'actifs avant. J'étais 4 ans en asset management, donc j'ai quand même une vision assez macro des marchés. Même si l'analyse technique est quand même très importante pour quand même comprendre comment évoluent les marchés, quelles sont les tendances des marchés. C'est vraiment très 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 important. Donc en fait, pour pouvoir bien investir sur les marchés, il faut quand même avoir, je pense, cette double vision, comme disait Alexandre. Il faut avoir la vision macroéconomique d'un côté, le fondamental, et également la vision technique de l'autre. Alors, si on regarde la vision macroéconomique actuelle, c'est vrai que en Allemagne, on est au bord de la récession. On a un deuxième trimestre à moins 0,5%. Donc, si le prochain trimestre est négatif, on pourra dire officiellement que l'Allemagne rentre en récession. Mais c'est quand même le pays qui est le plus touché en Europe par les effets de la guerre commerciale. Quand on regarde en France, on est toujours à une croissance aux alentours de 0,3% trimestriellement. Donc on devrait être arrivé sur une croissance de 1,3% à la fin de l'année, ce qui est à peu près la croissance française en moyenne depuis les dix dernières années. Et puis aux États-Unis, c'est vrai que la croissance est toujours vraiment aux alentours de 2%. Et donc, en fait, quand on regarde au niveau macro, au final, il y a eu, on va dire, peu d'impact, même si je reconnais que les ISM, qui sont des indicateurs avancés, sont quand même en baisse. Mais on va dire que l'impact de la guerre commerciale a été quand même, au final, assez limité dans l'ensemble. Maintenant, si on regarde, effectivement, on regarde des banques centrales, comme ça a été dit précédemment, on a eu le retournement de veste de la Fed au début de l'année dernière, ce qui a complètement changé la vision des investisseurs en général, et ce qui a fait monter les marchés de manière assez forte, hein, puisque on est sur des performances entre 10 et 18% à peu près sur les marchés mondiaux. Donc c'est quand même de très belles performances pour trois premiers trimestres. Maintenant, au dernier trimestre de l'année, moi, je me rangerai plutôt de l'avis de Benoît. Effectivement, je pense qu'on va continuer à progresser. Là, on regarde du technique, le CAC 40, il est effectivement sur une résistance assez forte, hein, 5600 points. C'est des niveaux qu'on n'a pas réussi à dépasser, qu'on a atteint en mai 2018, et puis c'est effectivement, je pense que c'était en juin ou juillet 2019. Là, on est dessus. C'est vrai qu'on a eu hier cette annonce de la BCE, hein, qui a sorti un peu le bazooka, hein, parce qu'on a eu tout de même re-quantitative easing, 20 milliards par mois. On a également la baisse des taux de dépôt à moins 0,5%. Donc en fait, la BCE a quand même sorti l'artillerie lourde, mais on n'a pas eu effectivement une explosion des marchés. C'est resté assez contenu, mais c'est vrai qu'on voit qu'on monte un peu en crabe, en fait. On n'a pas des performances de 3% dans la journée, mais on a des 0,5, 0,6 par jour, ce qui fait que même si au mois d'août on a eu cette baisse assez violente, hein, de 5006 à 5002, ça a été plus, à mon avis, quand même une prise de bénéfice sur les 9 premiers mois de l'année, enfin les 7-8 premiers mois de l'année, et pour ensuite finalement repartir à la hausse. Et pour moi, le marché, il est haussier, il n'y a pas vraiment de signal pour l'instant qui indique que ça devrait baisser dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ensuite, c'est vrai que 2020, c'est quand même pas tout proche. C'est compliqué quand même de savoir ce qui va se passer en 2020. Ça va vraiment aussi dépendre des banques centrales. C'est vrai que là, maintenant, la BCE a plus trop de moyens pour agir, hein. Elle a vraiment sorti tout son arsenal. Il ne reste plus qu'à la limite l'hélicoptère monnaie, qui serait quand même le dernier moyen. Mais tandis que la Fed, elle lui reste encore, elle est à 2% de taux d'intérêt directeur, donc la Fed, elle pourrait encore baisser ses taux, ce qui pourrait encore soutenir les marchés pour 2020. Et effectivement, je pense que tant qu'il y aura Trump au pouvoir, il n'y aura pas de gros cracks ou de baisses prononcées. Ça devrait continuer à progresser. D'accord. Donc un biais plutôt haussier sur les indices, en l'occurrence sur le CAC pour Antoine. Ok, très bien. Donc sur ce tour de table, on a déjà identifié plusieurs
conviction de la part de chacun des analystes. Donc globalement sur les indices, et Nizar nous a parlé plutôt de Perforex et de l'or. Je vais de nouveau donner la parole à Alexandre. Tu avais préparé d'autres slides et d'autres graphiques, donc tu as d'autres convictions à nous présenter. Rebondir aussi un peu sur les propos intéressants d'Antoine. C'est vrai qu'au niveau des politiques monétaires, il faut aussi bien voir d'un point de vue cyclique, quand effectivement, on parlait du potentiel de baisse de taux restant de la Fed. C'est vrai que la Fed, si vous regardez les deux derniers cycles, alors j'ai pas de graphique pour ça, hein, mais on va le dire à l'oral, les deux derniers cycles de baisse de taux de la Fed, donc un post-bulle internet et post-crise des subprimes, l'exemple frappant que nous ayons, c'est le plus récent, c'est il y a 10 ans donc, quand la Fed a commencé à baisser ses taux en 2008, ça a été le début du cycle de baisse des marchés. Et plus la Fed baissait les taux, plus le marché baissait. Donc, le début d'une baisse de taux, d'un cycle, et effectivement, c'est pour ça que la Fed mesure ses mots en ce moment. Est-ce que c'est un ajustement de milieu de cycle, ou est-ce qu'on est réellement sur un haut de cycle et qu'on commence à baisser les taux à ce moment-là? Et moi, j'ai plutôt l'impression qu'effectivement, ce n'est pas milieu de cycle aux États-Unis, qu'on est bien sur un cycle économique qui a duré déjà 10 bonnes années. C'est la plus forte expansion haussière des marchés actions qu'on ait aux États-Unis, historique, hein, sans bear market sur les principaux indices, donc sans correction de plus de 20% en clôture. Donc, c'est historique. Vous regardez des indices comme le Nasdaq, je ne sais pas si on doit l'avoir, peut-être j'ai peut-être dû le mettre dans mon là-dedans. De Jones, voilà Nasdaq. Alors là, j'ai pris un graphique mensuel, mais bon, l'écartement des moyennes mobiles est une chose. C'est pas un graphique en logarithmique, mais si vous preniez le même graphique avec des moyennes de prix hebdo, par exemple, non logarithmique, on a un non-croisement des moyennes de prix 50 et 100 semaines. C'est pas des moyennes très courtes, mais c'est pas non plus des moyennes hyper longues. Elles se sont pas revues depuis quasiment 8-9 ans, ces moyennes de prix. Donc, dire à la Fed qu'effectivement qu'il y a du potentiel, moi, effectivement, je suis d'accord avec toi, mais je pense justement que c'est le signal d'un top, en fait. Comme le top, on le voit moins ici, parce que les subprimes, c'était moins le côté Internet que la bulle là-bas, mais c'est le risque qu'il y ait là, que la Fed démarque quelque chose, qu'elle est présente pour l'instant comme un ajustement, mais qu'il soit réellement le début d'un cycle de baisse de taux face à un ralentissement qui s'annonce. Moi, j'aime bien regarder les indicateurs avancés. C'est-à-dire, vous avez les indicateurs, ce qu'on appelle les hard data, qui sont les données production industrielle, vente de logements, vente au détail, qu'on a juste après midi, par exemple. Ça, c'est les données réelles de l'économie. Et vous avez ce qu'on appelle les soft data, hein, toutes les données indices de confiance. Alors, vous avez, notamment côté US, qu'on regarde beaucoup, la confiance des consommateurs. Cet après-midi, elle a un peu rebondi, d'ailleurs, hein, mais elle ne compense pas la baisse du mois précédent. Donc, attention aussi aux effets court terme. Je rappelle qu'avant cette confiance des consommateurs de ce mois-ci, la précédente a connu son plus fort déclin mensuel depuis 2012. Donc, ce n'est pas un niveau inquiétant historiquement parlant. La confiance des consommateurs aux États-Unis reste très bonne, et ça, c'est le moteur de la croissance américaine. Deux tiers du PIB américain de la croissance, c'est de la consommation. Mais quand vous regardez les indicateurs type PMI ou ISM, là, il y a des choses beaucoup moins bonnes. C'est-à-dire que les PMI, on rappelle ce que c'est, hein, ce sont les enquêtes qui sont faites de terrain, mais sur des échantillons très larges, et on demande aux directeurs d'achat, aux décideurs économiques, comment voyez-vous vos carnets de commandes évoluer? Comment voyez-vous vos prix évoluer? Allez-vous embaucher? Allez-vous licencier? Comment voyez-vous les perspectives mondiales, etc. Donc tout ceci, c'est des enquêtes très concrètes auprès de ceux qui font l'économie réelle. Et ces réponses, on les compile sur un indice. Si l'indice PMI tombe au-dessus de 50, c'est une expansion, ça traduit une expansion économique. Si on tombe sous 50, c'est la contraction. Aux États-Unis, on regarde donc PMI manufacturier et PMI service. PMI manufacturier, c'est comme l'ISM manufacturier. Il est contracté au palin de lettres. L'ISM manufacturier est contracté, mais la réponse ou l'argument de beaucoup, c'est de dire oui, mais ne regardez pas la partie manufacturière US, parce qu'effectivement, c'est vrai, c'est pas elle qui fait le plus de croissance aux États-Unis, c'est surtout la partie service. Donc on se dit, bah, très bien, je mets la partie manufacturière, ok, je vous accorde ce crédit. Ne nous inquiétons pas trop, c'est peut-être qu'un ralentissement manufacturier. Petite parenthèse, c'est quand même le troisième ralentissement manufacturier depuis la crise des subprimes. Le premier, c'était en crise de la dette, en zone euro. On flirte avec les 50, on rebondit. Deuxième ralentissement, 2014-2015, crise émergente, matières premières, on flirte avec la contraction à nouveau, on repart à nouveau. Et là, c'est la troisième fois, et cette fois-ci, on passe sous 50. Donc, le PMI manufacturier US et ISM sont contractés pour la partie manufacturière. Donc, on regarde la partie service. Et là, il y a du 50-50. PMI service, il est tombé à 50,7. Il est navigué à 54-55 avant, hein, même plus. Il tombe en quelques mois de quasiment 56 à 50,7. Il est à 0,7 points de la contraction. On regarde donc le deuxième indicateur service, qui est l'ISM service, et lui est meilleur. Lui, il est à 56, donc on a encore de la marge. Mais dans l'ISM service, quand vous grattez un peu, vous regardez les composantes, il y a une composante qui se dégrade, qui est la composante emploi. Et quand vous regardez le dernier rapport sur l'emploi aux États-Unis, eh ben, il montre ça, il montre aussi cette tendance. Il y a des créations d'emplois, 130 000 pour le dernier rapport, c'est pas mal, mais c'est bien en deçà des moyennes 2018. 2018, on avait des moyennes de NFP, donc de création d'emplois, au-delà de 200 000 en moyenne sur l'année. Là, on est plus proche de 150 000. Donc, c'est pas dramatique,
Mais ça montre quoi? Ça montre que l'économie américaine ralentit progressivement. Trump, évidemment, le voit. Pourquoi il se précipite depuis quelques jours pour aller faire quelque chose avec la Chine? C'est qu'il a bien compris qu'il va falloir débloquer la situation, parce que sinon, ils vont vers la récession. Donc, c'est quand même une reconnaissance, même s'il clame, et ça, c'est le rôle du politique, l'économie est la meilleure de tous les temps, il constate ça. Le PMI, Trump, c'est un homme de marché. Hein, il connaît non seulement les marchés, il oublie évidemment, mais les marchés financiers, on le voit très bien dans ses déclarations. Donc, il surveille tout ça. Il est parfaitement informé par ses conseillers, qui sont d'anciens financiers, comme Mnuchin, qui a bossé chez Goldman, son secrétaire au Trésor. Il est informé de tout ça. Et donc, les mesures qu'il annonce, à nouveau mesures fiscales l'année prochaine pour les classes moyennes, on va vers un accord avec la Chine, on va essayer de rouvrir le rang de négociation, c'est parce qu'il voit la croissance ralentir. Et attention de ne pas non plus se faire biaiser par les résultats du deuxième trimestre aux États-Unis côté US, ils étaient moins bons que les résultats du deuxième trimestre 2018. Mais comme le consensus avait été fixé très bas, le chiffre surprenait agréablement. Donc le marché rebondissait par rapport à ça. Mais les résultats 2019, hier tout hier, donc d'une année à l'autre, sont plutôt en phase de baisse qu'en phase d'hausse aux États-Unis. Or, que nous montrent les marchés, qu'eux continuent de grimper. Donc, c'est la définition à petite échelle, mais d'une bulle. Quand même, des résultats qui baissent, une économie qui ralentit, mais des marchés qui montent. Effectivement, il y a 100% le rôle des banques centrales qui est là-dedans. Mais à un moment donné, c'est là que ça claque. C'est quand vous avez une économie qui se décorrèle de la sphère financière. C'est ce qui s'est passé ici. C'est ce qui s'est passé ici. Voilà. Je ne dis pas qu'on aura ça. Ça, c'est un extrême. Plus d'Internet, c'était un cas très particulier. Mais on vient quand même de là. Et on est là. On a fait 700% sur le Nasdaq quand même. Je veux bien qu'effectivement les boîtes aujourd'hui soient rentables. Facebook, elles le sont largement. Ce sont des machines à cash absolues. Mais pas toutes. Pas toutes. Toutes les techs ne sont pas rentables. Ou celles qui l'étaient, qui étaient très disruptives, comme Netflix par exemple. C'était un avant-gardiste Netflix. Donc bien sûr, vous avez des PE, des ratios de 100, 130 à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde fait du Netflix. Tous les gros groupes, Amazon, Disney et Apple maintenant et d'autres, font du streaming, font de l'offre à la demande comme ça. Donc ce côté-là ne se paye plus aussi cher, on ne doit plus se payer aussi cher. Et dans notre secteur, ça va être pareil. Pour la livraison, Amazon avait un monopole. On voit que Walmart est en train de changer tout ça. Donc voilà, moi, mon sentiment, c'est que oui, ça monte pour des raisons parfaitement liées aux banques centrales et à la liquidité, mais je pense que la réalité économique, et on le voit en Europe et on l'a vu en Chine, est une réalité qui ralentit, et aux États-Unis ça commence à le faire. Donc un marché qui fait ça, quand l'économie commence à faire ça, c'est là qu'il faut se méfier, qu'il faut plutôt commencer à chercher des signaux d'entrée à la baisse que des signaux d'entrée à la hausse. Merci Alexandre. Benoît, ben là on vient parler des marchés américains. Tu as quand même exprimé ton point de vue sur les marchés américains, qui est un peu le même. Hein. Tu penses qu'on peut continuer tant qu'on approche de l'élection de Trump. Donc pour toi, l'année prochaine, c'est, ça s'annonce plutôt sous des bons auspices également pour les marchés américains. Oui, sous des bons auspices, bien qu'il y ait toujours des respirations hein, sur le marché. Donc quand on rentre, il faut évidemment attendre un pullback, attendre une petite respiration. Je vais juste faire le lien. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le constat, effectivement. L'économie est en fin de cycle. C'est une phase d'expansion qui a été la plus longue, en fait, constatée. On est bien en fin de cycle. On est bien sur une possibilité peut-être d'un retournement. Je suis aussi d'accord avec le fait que Trump est un homme de marché, qu'il a des conseillers, qu'il sait tout ça. Et c'est pour ça que je diverge sur la conclusion. Comme c'est un homme de marché et comme il voit que le cycle est en train de ralentir, eh bien, il va tout faire, il va tout mettre en œuvre, et aidé par la Banque centrale américaine, pour faire durer encore un petit peu eh bien, cette fin de cycle, quitte à ce que ce soit artificiel, au moins pendant un an, au moins pour ne pas perturber ces élections et avoir au moins un bilan à donner à ses potentiels électeurs. Donc je suis d'accord sur le constat, mais malheureusement je diverge voilà, sur la conclusion. Mais ça c'est normal, c'est le marché, hein. Après tout, un acheteur, un vendeur. On va passer à une autre paire. Je vais juste aller ici, voilà, on va aller du côté asiatique, donc là je vous mets USD-CNH parce qu'on ne peut pas trader USD-CNY, on ne peut pas traiter le yuan directement, on peut traiter le yuan offshore. On est en heures et comme on a des visions quand même sur 2019 voire 2020, on va passer en semaine. Voilà, semaine sur USD-yuan offshore. Et donc,
pour certains qui suivent un petit peu ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine, et même si vous ne le suivez pas, vous êtes un petit peu obligé de baigner dedans, puisqu'on en parle sans cesse. Vous vous souvenez qu'il y a eu ces annonces au mois d'août hein, pour des nouveaux tarifs, hein, des nouveaux droits de douane sur les produits importés, les produits chinois importés aux États-Unis, et la Chine a riposté immédiatement par la manipulation de son yuan en augmentant le point pivot notamment. Alors le offshore suit parce qu'il y a beaucoup de corrélations, et de fait sur le yuan on est passé au-dessus du fameux chiffre rond 7. Sur le offshore également, on n'est pas au même niveau exactement, mais en tout cas on a les mêmes effets. Donc là désormais on est à du 7,03 au moment où on parle sur le yuan offshore. D'accord ? Et sur le yuan tout court on doit être sur 7,02, mais à confirmer. L'idée derrière ça, c'est de voir que effectivement la Chine a riposté par rapport à l'annonce de Trump de mettre des tarifs douaniers. Là, on est en train d'assister à une détente, donc un dégel un petit peu de la crispation qu'il y a eu au mois d'août. Et ça se constate avec ce pullback, ce retracement baissier, un retour vers 7, peut-être en appui évidemment, peut-être qu'on le traversera plus bas, ce sera si des négociations sont vraiment en train de se mettre en place. Et donc une détente qui confirme un petit peu que justement tout s'arrange, entre guillemets, même si c'est temporaire. Donc en quelque part, quand on voit USD CNH qui baisse, on a USD qui baisse et CNH qui augmente. D'accord ? Ces derniers temps. On est à la semaine, hein, donc il y a une énorme inertie. Donc c'est le mouvement du moment, quelque part. Donc on a un USD qui baisse. Un USD qui baisse, un yuan qui se renforce, on peut le traiter, évidemment. On peut traiter aussi l'appui sur 7. Mais on peut faire autre chose avec une sorte de corrélation avec le dollar de Hong Kong que je vais vous montrer. Et c'est un peu la cerise sur le gâteau pour ceux qui veulent intervenir, entre guillemets, de manière... on ne peut jamais dire sûr, mais on peut dire quasi sûr, quasi certaine en tout cas. Le dollar de Hong Kong en semaine, vous voyez, face au dollar américain, enfin USD slash HKD, on était sur donc une devise alors ultra manipulée, à l'image des devises chinoises. On est ici, vous voyez, sur du 7,75 en support. On avait un floor qui était maintenu par la Banque de Hong Kong. Et désormais, avec effectivement ce qui s'est passé, ce qui s'est passé récemment, mais depuis un certain temps, on est en train de travailler le 7,85 qui est la borne haute en fait du PEG sur le dollar de Hong Kong. Donc on a des bornes 7,75 officielles en plus, donc il n'y a rien qui est caché, et 7,85. Quand on est trader et qu'on a des bornes sur un marché, c'est quand même royal. Donc petite cerise sur le gâteau, il y a des risques, hein, c'est jamais sans risque parce que évidemment ça peut casser, c'est ce qui s'est passé sur la Banque Nationale Suisse, hein, quand elle a arrêté son floor face à l'euro à une certaine époque. Donc il se peut que ça saute. Il se peut également qu'il y ait des mèches rebelles comme ici, vous voyez, donc on peut se faire attraper hein, si on met son stop trop près. Donc c'est jamais garanti. Il faut accepter le risque. Et si vous l'acceptez, moi je vous propose de travailler cette paire en plus des autres. Mais pourquoi pas avoir ça dans un coin de son portefeuille. Quand on est sur 7,85 ou proche de 7,85, évidemment, shorter cette paire pour aller au moins vers, vous voyez, du 7, 7,78, 7,80, le fameux chiffre rond 7,80, c'est pas idiot. Et puis, on peut un jour peut-être espérer les plus bas, et donc un retour, pourquoi pas, vers 7,75, entre guillemets, la normalité. D'accord ? Donc voilà, quand on est en haut, on short, quand on est en bas, on achète. C'est de la semaine, il y a une énorme inertie, il y aura des frais, évidemment, donc faites-le au mieux. Ce qui est sûr, c'est que derrière tout ça, par rapport au stop, eh ben vous avez le niveau d'invalidation du scénario et donc derrière, vous cachez votre stop avec quand même un petit peu de mou pour ne pas se faire prendre par la moindre mèche rebelle. Voilà. J'espère que... Enfin, une bonne idée de trade pour 2019-2020. Du coup, c'est un dossier politique quand même puisque ça a à voir directement avec les manifestations qu'il y a eu à Hong Kong récemment. Bon, là, ça s'est un peu calmé. Je crois que la Chine va lâcher un peu du lest, mais au-delà du côté technique, il faut suivre aussi l'actualité fondamentale sur ce dossier.
Bah pour l'instant, il n'y a pas eu d'impact par rapport à ce qui se passe dans la rue. Effectivement, à Hong Kong, il n'y a pas vraiment d'impact. Ça peut changer si ça se dégrade, mais pour l'instant, c'est en voie entre guillemets d'apaisement, puisque la Chine a retiré son projet de loi qui faisait polémique. Donc, bon, évidemment, c'est pas encore fini. Il y a peu d'impact, c'est pas encore fini, mais on va vers entre guillemets du mieux. Voilà, c'est jamais garanti. Donc, pour l'instant, on regarde ça du coin de l'œil, mais les fondamentaux sur la paire, c'est autre chose que des gens dans la rue. Hein. C'est du dollar américain d'un côté, quand même, du dollar de Hong Kong de l'autre. Et derrière, finalement, le yuan en tâche de fond, quelque part. Vous voyez, on a le même mouvement ici que sur le yuan, même sur le yuan offshore, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il y a une corrélation, d'accord ? Il y a une corrélation sur ces deux paires. Ok, très bien, c'est intéressant et c'est original. Pour le coup, c'est des paires qui sortent des sentiers battus. Donc c'est intéressant pour diversifier ou avoir d'autres idées. Du coup, je vais laisser la parole à Antoine. Est-ce que tu as d'autres convictions et d'autres visions que celles que tu as pu nous donner sur le CAC 40 ? Alors, effectivement, je vais me risquer sur une paire que vous connaissez tous, qu'il a pu traiter, c'est l'euro-dollar. L'euro-dollar qui était donc en tendance baissière depuis plusieurs mois, qui faisait des tentatives de rebond. On a eu... je vais me mettre ici... En fait, c'est comme on a l'impression que c'est un range, c'est-à-dire un couloir d'évolution latérale. Mais quand on regarde bien, ça fait quand même des creux et des sommets qui sont assez descendants. Et c'est vrai qu'on a cassé, c'était la semaine dernière, à peu près il y a une dizaine de jours, la barre des 1,10. Donc un niveau psychologique assez important. Et on a quand même réussi à maintenir ces 1,10. Et ce qui est très intéressant, ça a été vraiment la journée d'hier, en fait. Lorsque Mario Draghi a annoncé toutes ces mesures, quantitative easing, etc., on a eu une pression vendeuse assez importante. Et finalement, on est venu tester exactement le point bas d'il y a une dizaine de séances et on est remonté assez fort. Je partis du principe que ça restera un point bas de moyen terme. Parce que en fait, les investisseurs ont pricé en fait, la nouvelle. Comme quoi Mario Draghi allait baisser ses taux, etc. Et du coup, là, il y a le vieil adage qu'on dit on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Là, c'est plutôt on a vendu la rumeur et on rachète la nouvelle. Et du coup, je pense qu'on a fait un point bas sur l'euro-dollar sur du court moyen terme. Avec cette mèche aussi, c'est vrai que c'est des mèches, c'est assez intéressant. Ça va faire comme un double bottom. Pour ceux qui connaissent un peu l'analyse technique, et potentiellement donc un retour de l'euro-dollar déjà sur les 1,12, ça serait pas étonnant, et pourquoi pas ensuite 1,14, qui est quand même une résistance horizontale qui est assez importante. Alors tu peux te dézoomer un petit peu plus. C'est vrai que ensuite il y a le niveau des 1,1750 qui a été une résistance majeure donc en fin d'année 2018. Qui dit hausse de l'euro-dollar dit hausse de l'euro mais baisse du dollar. Et c'est vrai que le dollar, quand on regarde un petit peu le dollar index, on voit que on est aussi arrivé sur un top. On a aussi, on peut mettre en valeur le différentiel de taux d'intérêt entre l'euro et le dollar, où si on anticipe que la Fed va continuer à baisser ses taux, ça pourrait être aussi donc une source de faiblesse pour le dollar à l'avenir. Après, j'ai une autre conviction, c'est sur l'or. Je pense que tout le monde qui suit un petit peu les marchés financiers ont vu que l'or a bien progressé depuis le début de l'année. C'est vrai qu'on est sur quand même une performance qui est pas négligeable. Alors on peut l'expliquer parce que du fait que les investisseurs dans cette incertitude globale d'économie
ont voulu aller sur cette valeur refuge. Et par conséquent, je pense que l'or n'a pas fini de monter sur les 6 prochains mois. Et on pourrait retrouver des niveaux aux alentours de 1700-1800 $ l'once. Je rappelle que le plus historique, c'est aux alentours de 1970 $, si je ne m'abuse, le plus historique. Voilà, donc c'est pourquoi pas retrouver un plus historique en 2020, c'est tout à fait possible. Voilà. Oui, c'est ça, ouais, un peu plus de 1900 $ sur les plus historiques sur l'or. Alors, il est 18h17, il reste encore 13 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience sur des produits financiers spécifiques ou sur des scénarios dans les semaines ou les mois à venir? N'hésitez pas à les poser. Il n'y a pas vraiment de questions. Alors, je vais parler de l'or, puisque c'est un actif qui a fait beaucoup réagir. Alors, Loïc, tu avais une question? Le pétrole, ok. Ok, alors est-ce que quelqu'un a une conviction sur le WTI? Alexandre? Ouais. Ok. J'ai un doute, si je n'ai pas préparé ce paragraphe, je vais le dire par oral. Oui, le pétrole, on est dans une phase intéressante, je trouve, intéressante en ce moment, parce que il y a quelques jours encore, on était sur des niveaux de réaccélération à la hausse, et puis on a eu ce mouvement de Trump qui a limogé de manière surprise son troisième responsable à la sécurité nationale en 3 ans, c'était un faucon, bien connu, donc, hein, qui était un Lord of War pour certains, qui était un pro-conflit direct s'il y avait besoin avec l'Iran. Et donc, ce limogeage intervient de manière un peu surprenante, parce que Trump était aussi un faucon dans sa façon d'être, hein, jusqu'à présent. Donc, il limoge finalement quelqu'un qui lui ressemble un petit peu. Et certains estiment que c'est donc du coup un moyen de détendre, ou c'est fait pour détendre la relation avec l'Iran. Moi, j'aurais une vision peut-être plus machiavélique, c'est-à-dire je vire quelqu'un dont je sais que le limogeage va faire baisser le pétrole. Trump n'aime pas le pétrole cher, donc virer Bolton, c'est s'assurer que le pétrole, en tout cas pour quelque temps, va baisser. J'ai pas de slide sur le WTI, non. Alors, ce qui est intéressant, enfin, le WTI, il faut bien le voir que depuis plusieurs temps, il a rebondi sur la zone des 53 $. Il y a une phase comme ça de rebond sur les 53, et on est reparti avant. Et là, le limogeage de Bolton, on était monté quasiment à voilà, j'ai plus les cours en tête, mais on était sur une phase de hausse, on vient de retomber. Moi, la réflexion que je fais, c'est est-ce que la partie de détente du pétrole ne va pas se transformer en poursuite de baisse sur des phases d'aversion au risque. Si vous regardez le WTI sur les derniers gros mouvements de marché action notamment, si vous regardez par exemple par rapport au stress qu'on a eu sur les marchés, grosse vague de stress, hein, fin 2018, ce trimestre très baissier où les indices européens ont perdu 20%, le pétrole a très fortement baissé. Donc il était clairement indexé sur le risque. Hein, risk on, c'est-à-dire on recherche les actifs risqués et ça monte. Risk off, on enlève le risque et on recherche l'actif sécurisé. Le pétrole a eu vraiment ce comportement risk-off, voilà, de forte baisse sur la crise fin 2018. Voilà ici. Ouais, il faudrait dézoomer encore beaucoup plus, je pense. Voilà, en fait, ouais, c'est ça. Dézoome un petit peu en hebdo. Voilà, c'est ça. Là, c'est la phase de baisse. Donc, vous voyez, le stress de fin 2018. Ensuite, ça se redresse un petit peu comme les marchés actions. Toute la partie de début d'année, janvier, février, mars, avril, etc. Et après, une phase plus hésitante qu'on a moins vue sur les marchés, mais on a bien observé cette phase, aversion au risque et détente du risque, comme sur les marchés actions. Et là, vous voyez que le limogeage de Bolton, alors qu'on marquait des nouveaux plus hauts depuis quelques temps, renvoie une bougie qui est rouge, mais qui n'avale pas pour l'instant complètement les bougies précédentes. Donc, selon moi, le risque technique, il n'arrivera pas maintenant, pas pour l'instant à 54, mais si vous voyez que le pétrole continue de chuter, et que le marché action commence à baisser un petit peu, vous voyez. En gros, on passe d'un mode où le marché action pour l'instant est assez positif. Si le pétrole baisse, mais que le marché action commence à baisser, que le pétrole passe sous 53, si vous tracez une grosse oblique qui passe par ici, mais c'est pas celle-ci que je vais montrer. Je pense qu'en descrollant, on a une oblique qui vient de plus bas. On a une grosse oblique moyen terme qui nous amène à 47 $. Donc, si vous voyez le pétrole tomber à 53 $, le WTI, donc hein, le baril US, je pense qu'il y a une porte ouverte pour aller chercher 5-6 $ de baisse, donc à peu près 10% de baisse sur le baril. Mais en revanche, je vous invite à jouer cette corrélation que si vous voyez qu'en face, le marché action est aussi baissier. Si c'est juste l'effet limogeage, c'est un peu limite parce qu'il y a quand même un gros support ici à 53 et un autre gros à 50. Voilà, donc bien jouer la corrélation avec le risque. Voilà. Pour l'instant, les stratégies longues, je ne joue pas du tout sur une phase de repli comme ça, mais ce sera jouable si effectivement on ne tape pas les 53 et qu'on commence à repartir à la hausse. Voilà. Donc voilà, mon avis sur le pétrole.
pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est que les matières premières ont quand même été un petit peu recherchées ces derniers temps comme actif de diversification. Vous avez vu les ressources de base, donc ça c'est autre chose, c'est le bois, etc. Mais on a vu que l'once d'or, l'once d'argent, voilà, on en a parlé. Moi je pense que l'argent aussi c'est un bon pari. Hein. Ceux qui veulent diversifier, pas faire que de l'or, acheter de l'once d'argent. C'est une graphique sur l'argent, il est spectaculaire l'argent. Hein. Il est monté très très haut au moment de la crise des subprimes, crise de la dette en euros. On a touché des niveaux, je crois, 40 dollars, quasiment 50 dollars l'once. Et on est tombé très très bas, 10 dollars l'once à peu près. Et là on commence à se redresser depuis quelques temps. Il y a un gros palier comme ça, un gros plateau, et on se redresse. Et je pense qu'on est vraiment parti sur une phase, il peut y avoir des corrections intermédiaires, et je pense qu'on peut cibler des variations haussières de 15-20% en horizon quelques temps, pas 3 ans ou 4, hein, quelques mois sur l'once d'argent. Voilà, ça retrace. Dès que ça commence à repartir vers les 19 et quelques, je pense qu'il faut aller dans le mouvement haussier, et je pense que c'est une des premières rampes qu'on observe sur l'argent, parce que je pense que ça, c'est la diversification que font les gérants. Les actifs sont très chers aujourd'hui, la partie obligataire est très chère, le high yield, donc l'obligataire d'entreprise risqué, est très cher aussi, les actions sont très chères, donc les gérants, je pense que ce flux correspond aussi à une diversification de gérants à un moment donné où les opérations classiques, actions, obligations, sont plus dures à trouver en termes de bonnes affaires. Très bien. Alors, sur le WTI, est-ce que vous aviez des convictions, Antoine ou Benoît ? Pas plus que ça. Alors juste deux mots, moi je regarde plutôt le Brent, mais c'est assez corrélé, hein, donc on revient à peu près, et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. On a sur le Brent en tout cas des bornes qui sont autour des 50-60 pour la borne basse, et puis une borne haute qui est la borne du terrain de jeu sur du 85, donc on peut arrondir à du 90-60 à peu près. Et on est à peu près au milieu effectivement dans un effet de diamant, de losange, et qui dit losange, comme la jambe entrante technique est haussière, eh bien la sortie devrait être baissière, effectivement. Donc ça confirme d'un point de vue technique un petit peu ce qui est dit par Alexandre, sachant que sur les fondamentaux, c'est très difficile, hein, sur le pétrole, parce que c'est manipulé, notamment du côté de l'offre, contrairement à d'autres marchés, hein, de par l'OPEP, de par le nombre de puits de pétrole aux États-Unis, et les États-Unis, ce sont les premiers producteurs actuellement. Donc on a voilà cet effet de... Et puis il peut y avoir des tensions, de la géopolitique qui rentrent en jeu, sans compter des cyclones qui peuvent mettre à mal des exploitations. Donc vous voyez, on a sur le pétrole, on est un petit peu à la croisée entre un actif simple et puis finalement un actif de type matière première agricole, à cause de la météo, mais pas que, parce qu'il y a aussi une question de géopolitique et de gestion de l'offre. Donc voilà en quelques mots sur le pétrole, et comme on est au milieu, l'idée c'est, si vous souhaitez intervenir, plutôt de travailler les vents dominants, donc plutôt effectivement une baisse à venir. Et un dernier mot, et ça confirme un petit peu aussi ma conviction sur le reste, c'est-à-dire que finalement, in fine, tout va encore bien pour à peu près un an, et le pétrole est le reflet un petit peu de la façon dont l'économie tourne, et un pétrole pas cher, c'est à la fois bien pour faire tourner l'économie, bien qu'il y ait un seuil quand même de rentabilité à respecter, autour de 70 à peu près, sur le Brent. Donc voilà ma conviction un petit peu sur le pétrole, en phase un petit peu avec ce qui a été dit, enfin même totalement avec ce qui a été dit précédemment. Ok, très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres actifs qui vous intéressaient ? Oui ? Oui. Tout ce qui a été dit, effectivement, c'est sur tout ce qui existe de manière classique. Mais avec l'apport justement des blockchains qui arrive, les fameuses monnaies électroniques, en pensez-vous ? Puisque je pense que ça peut aussi bousculer. Ok. Ouais, ben on va élargir, donc juste avoir le sentiment sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Est-ce que vous avez un avis ? Ouais. Il peut y avoir aussi une monnaie électronique qui est baquée sur une économie bien réelle, et ça peut effectivement bouger toute l'importance du dollar dans le monde. Alors Nizar, vous aviez un avis sur les cryptos, la blockchain ou le Bitcoin ? Moi, franchement, c'est ma conviction. Je vois pas de corrélation donc directe avec, par exemple, le dollar ou l'euro. Si vous travaillez sur la courbe euro-dollar, par exemple, on reste sur les classiques des higher highs ou des lower lows.
c'est des hauts plus bas, l'analyse classique de la tendance, mais réellement, je ne vois pas vraiment, à Tradepedia, on ne trouve pas une corrélation directe avec le marché des bitcoins, avec les devises. Je ne sais pas si vous avez un avis contraire. On peut regarder, moi, sur le trading un peu classique, c'est-à-dire qu'on voit qu'Alphabet a lancé, Facebook, son projet de Libra. On voit qu'il est mal accueilli pour l'instant, qu'il est accueilli avec beaucoup de prudence par les banques centrales, ce qui est évidemment normal, par certains gouvernements. On a vu avec le maire qui s'est prononcé pour l'Europe, d'ailleurs, sur la partie. Donc ça part d'influence, du coup, sur le titre. Facebook, le titre s'est repris après tous ces scandales à la hausse, justement parce que le Libra avait été annoncé comme étant un projet à venir. Donc tout ce qui viserait, par exemple, à ralentir ce qui semble effectivement être un projet de moyen terme, pourrait peser sur Facebook, par exemple. Oui, donc je verrais plutôt ce prisme-là. En revanche, je suis persuadé, intime conviction, que oui, les cryptos sont là pour rester. Alors, est-ce que, on connaît tout le Bitcoin, évidemment, mais il y a une telle diversification aujourd'hui que toutes ne survivront pas, ça signifie que toutes ne seront pas encore là dans 15 ou 20 ans, mais la crypto et tout ce qui est rattaché aux cryptos, il y a des applications bien concrètes pour les sociétés d'assurance, pour les compagnies d'aviation. Donc oui, ça, je pense clairement que les cryptos vont être là et vont être vraiment pas un game changer, mais quand même quelque chose qui va accompagner une modification quand même mondiale assez importante, mais dans le bon sens. Est-ce qu'il faut par contre acheter du Bitcoin, du Litecoin et autres? C'est dur à dire parce que là, la phase de très forte expansion a déjà eu lieu. Il y a une phase, ensuite une réplique qu'on a vue récemment. On est passé de 3 000 à plus de 10 000, je crois. Voilà, 10 000. Et à nouveau, une phase stable à 10 000. Donc, je vous dirais pourquoi pas de manière spéculative tenter si on repasse à 10 000, 5 000, 11 000. Vous voyez qu'on sent que le rallye repart. Mais je dis bien de manière très spéculative et absolument pas avec son portefeuille entier ou du levier ou quoi que ce soit. D'ailleurs, les brokers ont limité les effets de levier drastiquement là-dessus. Alors, pour apporter. Une explication d'un point de vue marché, c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'évolution du Bitcoin récemment, le Bitcoin récemment est très peu volatile, hein, il reste dans un range entre 9 000 et 12 000 dollars à peu près depuis 4 mois. Et un fait assez nouveau qu'on a remarqué, là bon, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais ça a un rôle de valeur refuge, un peu comme l'or en fait, hein, lorsque les marchés baissent, il y a le Bitcoin qui monte. Et ça, on a vu une corrélation avec l'or assez importante sur les dernières semaines. Bon, je ne dis pas que le Bitcoin est une valeur refuge, hein, je ne dis pas ça, mais ça, en termes de marché, on a vu une phase où quand les marchés baissaient, le Bitcoin montait. Quand on regarde d'un point de vue technique, c'est vrai qu'on est plus dans une phase là de consolidation sur une tendance haussière. Et moi, ça ne m'étonnerait pas de voir le Bitcoin revenir sur les 14 000, qui est le sommet annuel dans les prochaines semaines. Ok, donc on va dire pas de grande conviction, mais tout de même des biais plutôt haussiers si ça va être quelque chose qui est joué, puisqu'on n'a pas entendu de biais baissiers. Même ça ne répond pas directement à la question parce que c'était plus large, mais il y a eu tout un débat tout à l'heure par rapport aux cryptos. Au moins, ça a permis d'aborder au moins succinctement le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et effectivement, il y a des gros projets, hein, autour de Libra, etc. Il va falloir voir comment tout cela impacte l'économie. Tout ça, c'est des projets en suspens. Il est 18h30. Merci à tous d'avoir participé. Merci aux intervenants et je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de salon.